Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Binding of Isaac. J'ai terminé la dernière fois le challenge qui s'appelait The Doctor's Revenge. Et donc aujourd'hui je suis censé m'occuper de Dark Was the Night et le terminer. Bien évidemment, il y a peu de chances que je le termine dans l'épisode, n'est-ce pas? As always. Oh, j'aurais pu essayer. Ah, faudrait que je fasse un épisode quand même en essayant le nouveau personnage que j'ai débloqué aussi. J'avais oublié ce petit détail. J'allais dire impressionnant les progrès qu'on a fait dans Isaac, mais vu que je continue à perdre des points de vie contre les mouches, on peut pas vraiment considérer ça comme une progression réelle. Spam. Oh. I don't like you. I think I don't like you. I wonder. What ticket? Yeah. Ok. J'imagine que c'était une bonne chose de l'avoir pris. J'imagine. Mais c'est vraiment pas mon kiff, Polyphème. Oh my god damn it. Get away, please. No, let me go. Oh, oh, yeah, oh, scheisse. Je suis en train de me gratter le nez et encore en train de me gratter le nez. C'est ça le nouvel objet que je débloque. Little Steve, probably. J'imagine que c'est lui que je débloque. Rien de particulier à faire à cet étage dorénavant, donc on peut descendre. Pourquoi le son est si bas? Je comprends pas ce qui se passe en ce moment. I don't understand. Tant mieux. Que ce soit un peu bas. Malgré tout, ça va être de me péter les oreilles. Non. No. Little Steve, t'es censé balancer des têtes chercheuses, c'est ça? Est-ce que c'est ce que je comprends ou pas? Ça a l'air. Le problème, c'est que tu tires que quand je tire. Ok. Oh god damn it. Boom. No. Pas de clé. Non, j'ai pas envie de perdre mon temps avec. On passe souvent des tonnes de temps dans les machines à sous et... Qu'est-ce que c'est chiant? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Souvent, ça peut m'apporter des pilules qui me donnent un cœur de plus, ou du moins un réceptacle en plus. Ce qui est plutôt pas mal en soi, mais faut tellement attendre longtemps des fois. Allez! C'est le moment de nous montrer que ça sert à quelque chose d'être chercheuse, Little Steve. Sinon, comment ça va par chez vous? Moi, ça va, je me débarrasse d'une période assez énervante, on va dire. Ce qui est pas plus mal. Mis à part ça, je me ronge. Scheiße. Je me ronge les doigts en pensant qu'il y a plein de jeux qui sortent et que je ne peux pas essayer, toujours parce qu'on est dans le même système de mentalité, qui est qu'on ne peut pas jouer à n'importe quel jeu comme on veut. Des jeux comme Dishonored, des jeux comme... bien sûr, je ne vais pas être capable de les retrouver là tout de suite, comme par hasard. Quoi d'autre? Dishonored... Chivalry, j'aimerais bien essayer, même si c'est pas... C'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais à quoi je pensais d'autre, bonsoir. Qu'est-ce que je suis en train de regarder en ce moment? Ah oui, XCOM. Enemy Unknown. Oh, Unknown Enemy.
qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Try to think here. Come on! Yes! Oh, bam! Toute sa vie d'un coup. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je suis en train de regarder comme... Ah! Borderlands 2, évidemment! Et puis voilà, ça fait quand même 3 jeux. 4 jeux même. Quand on compte XCOM. Oh, Jesus Juice. Thank you. Ça palliera mon défaut. Oh! Carrément, t'as du jus qui balance de la... Du jus qui te sort des yeux. C'est une sacrée bille de sang que tu balances, mon coco. Oh, no. Aucune amélioration de vie pour l'instant, c'est un peu... lourd, on va dire. Ouf. Oh. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Not a very good idea. Yeah, explose tes potes. Très bonne idée. Voilà, sinon quoi d'autre? Je joue à... Comment s'appelle déjà? Ah bah si. Quelqu'un qui a fait un gros progrès, c'est Guild Wars 2. Je pensais jamais le voir sur une plateforme Mac. Et en fait si. J'en avais déjà parlé de toute façon. Qu'un de mes potes m'avait annoncé qu'il y avait une bêta qui sortait sur Mac. Je me la suis procurée. Sachez que j'hésite à chaque fois énormément à faire des vidéos dessus. Maintenant j'y ai joué un peu, je suis niveau quoi, 18. Et franchement, flippin'ec. Ah ouais, carrément, tu reviens. Franchement, je sais pas si c'est un grand intérêt. Et d'une. Et de deux, étant donné que je peux pas enregistrer en qualité maximale, ça fait. Ça rend le jeu. Pas divin graphiquement, on va dire. Donc voilà, je sais pas trop. Je suis pas fan finalement de Guild Wars, je pense que c'était quelque chose d'assez innovateur, mais. Assez novateur, pardon. Mais en fin de compte, c'est pas. Je suis pas fan du système de quête et de montée de niveau. Il y a quelques trucs intéressants. Les métiers, par exemple, j'adore ça. Je passe énormément de temps sur les métiers. La cuisine et choses comme ça. Vu que j'adore la cuisine dans la vie de tous les jours. J'aime pas les quêtes. Franchement, je suis pas fan. On fait genre qu'il n'y a pas besoin de quêtes, mais finalement on passe son temps à aller chercher les quêtes et à les faire, donc ça revient un peu au même. L'interaction entre les joueurs est pas terrible. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que finalement... Oh, la customisation, n'en parlons pas. On fait croire qu'il y a plein de customisations disponibles, mais en fin de compte, on reste dans un espèce d'archétype physique, que ce soit masculin ou féminin. C'est-à-dire qu'on peut ne varier qu'entre une certaine taille, qu'entre un certain poids, que globalement c'est pas vraiment conçu pour créer des gens moches, ou même des vieillards ou des trucs comme ça, ce qui est assez dommage. Ça fait très restreint quoi, c'est restreint une espèce de population, de canon, de beauté, enfin voilà, c'est un peu dommage. En particulier pour le RP par exemple, parce que moi j'aime bien le RP, c'est un peu... C'est un peu vers ça que je tends quand je joue au MMO, ça m'intéresse plus vraiment de jouer au jeu à proprement dit. Oh, wow. J'arrive pas à croire que j'avais pas ce truc là, j'avais jamais eu ce truc là avant. J'ai jamais eu le Book of Revelations. What? No, I can't believe that. Enfin bref, voilà, je suis pas ultra fan. Dites-moi si malgré tout il faut que vous voyez certains épisodes ou pas, si... Voilà, dites-moi. Dites-moi tout. Quoi d'autre? Je vous dirais bien autre chose, mais je peux pas vous le dire pour l'instant. Donc je vais pas vous le dire. On est toujours assez faiblard concernant les... Enfin non, c'est pas vrai. On a eu 2 pics de fréquentation pendant le mois d'octobre. Les 2 meilleurs pics de la chaîne, ce qui était plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que les dernières vidéos que je poste n'ont pas énormément de vues, ce qui est un peu triste. J'imagine que c'est toujours à cause du...
toujours à cause du retour de des cours et de l'école et compagnie, mais c'est vrai que voilà. Mais j'ai l'impression que je suis pas le seul à m'apercevoir de ça. Je vois que tous les gens que je regarde disent la même chose. Donc c'est quelque part un peu moins flippant, même si effectivement les gens que je regarde ont quoi, je sais pas, tellement de centaines de milliers de vues que c'est pas très important pour eux. Alors que moi, dès que je perds quelqu'un, c'est vrai que c'est plus grave. Donc voilà. What else? J'aime bien parler, vous avez remarqué, j'adore parler de la chaîne avec Isaac. Il me semble qu'il y a autre chose que j'ai au bout de la langue, mais j'arrive pas à m'en souvenir. On a levé l'idée ensemble d'un let's play intergalactique qui rassemblerait quelques jeux du genre FTL, Kerbal Space Program et d'autres aussi qui éventuellement viendront dans ma tête. Et plus j'y pense et plus je me dis que finalement ça serait peut-être pas mal de créer une espèce de choses équivalentes pour d'autres types de jeux. Je pensais par exemple au FPS, une espèce de série sur les first person shooters. On pourrait mettre Borderlands, on pourrait mettre Left 4 Dead, et un autre, on pourrait mettre les RPG par exemple, y compris les MMO, donc on pourrait mettre The Witcher, on pourrait mettre Guild Wars par exemple, éventuellement. Alors voilà, je me dis que finalement ce serait peut-être pas mal de créer un regroupement de genre de jeu qui... Finalement, ça serait un peu des total randomization dans le sens où c'est moi qui choisirais encore auquel je joue et quand je voudrais y jouer, c'est-à-dire que ce serait pas des let's play complets parce que sinon on n'en sortira jamais, mais plus des expériences. Voilà, si j'ai envie de jouer un type de jeu plutôt qu'un autre et que j'ai pas envie de spammer total randomization, qui finalement total randomization reste quand même un petit peu en attendant la suite où je teste des jeux en un lipo. Oh mon dieu, mais quelle horreur! T'es atroce! T'es abject! My god! What an horrible person you are! Yay! Speed up! J'aurais été bien de l'avoir avant, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, toujours pareil, hein, mais. On est une petite communauté, donc on y réfléchit ensemble. Une chose est sûre, c'est qu'il faut que je crée des. Je sais pas comment appeler ça, des affiches pour chaque série, et là j'avoue que je suis un peu à court d'idées. J'ai créé un truc rapidos pour la série intergalactique entre guillemets, et c'est pas terrible. J'en suis arrivé à un point où ça serait bien d'avoir des gens talentueux pour faire ça, hein. C'est pas énorme, c'est juste une image photoshopée avec un effet, un titre et et un truc, et voilà quoi, et point. Et ce serait l'occasion, toujours pareil, de faire interagir la communauté de la chaîne et de nous faire partager des choses. Voilà, on pourrait. Moi je balance les noms à chaque fois, bien évidemment. Qui gagne et qui fait machin. Ça permettrait éventuellement de donner des nouveaux jeux aux personnes de la chaîne sur Steam. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc, si certains d'entre vous ont des talents graphistes ou compagnie qui veulent nous faire des belles affiches pour éventuellement ces différents projets de série, et pour n'importe quel projet de série d'ailleurs, si subitement il y en a qui ont une idée en disant tiens, et pourquoi pas faire une affiche comme ça pour cette série là, vous me l'envoyez, moi j'en juge, ça sera moi le dernier juge, hein, forcément, vous vous doutez bien, et je serai très pointilleux sur le sujet parce que je suis toujours très pointilleux si ça correspond pas à ce que je veux. Éventuellement un décor pour la chaîne aussi, ça pourrait être intéressant. Je dis ça de temps en temps, je le dis pas souvent, mais voilà, je trouve que c'est des trucs sympas qui créent l'identité de la chaîne souvent. Et enfin, je suis pas graphiste encore une fois, donc je peux créer des petits trucs vite fait, un peu pratiques entre guillemets, mais je peux pas créer des choses divines quoi.
Alors qu'il y en a qui sont vraiment doués pour ça. Et je sais que dans les abonnés, il y en a toujours des gens comme ça. Il suffit de regarder les chaînes des autres personnes. Ils finissent toujours par obtenir ce genre de choses. Donc voilà. N'hésitez pas si vous voulez être un peu... Si vous voulez montrer un peu vos talents, sachez que ça servira de bannière aussi, pour être vu un peu plus souvent. Oh, je sais que j'ai que 170 personnes qui sont abonnées, donc c'est pas non plus la panacée. Pour l'instant, espérons que ça soit plus un jour. Ah. Oh, goddammit, je vais mourir. I'm gonna die, no. J'ai besoin de vie. J'ai irrémédiablement... Non, bah ça va pas être utile. Hein. Irrémédiablement besoin de vie. Il y a un cœur là? C'est bizarre, il y a un cœur qui clignote à chaque fois que je change de salle. Oh, goddammit! Oh non! Dommage! Regardons vite fait, je crois pas avoir débloqué quoi que ce soit de nouveau. À part peut-être The Cube of Meat? Est-ce que j'avais le Cube of Meat? C'est pas sûr, hein. C'est pas évident, évident pour moi. Check it, check it, check it, check it. Nope. Nope. Oh si, il est là. Cube of meat. Nicely done. Toujours bien d'avoir un objet supplémentaire. Ça donne l'impression que la série avance, ce qui est plutôt intéressant quand même. Je suis toujours dans l'idée de terminer des séries, ou du moins de les avancer énormément. Si possible. Ok. Là y'a rien, là y'a rien, là y'a rien. Ok. Non. 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 Ah, oh, il y a Steve aussi. Et où Little Steve? Je l'avais pas. Ah si, il était déjà là, Little Steve. Il est là. Ok. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, vous connaissez le principe, hein. Un essai par partie. Par partie, par enregistrement, on va dire. Donc voilà. Et à bientôt, j'imagine. N'est-ce pas? Ciao.